Eh bien, salut à tous et bienvenue pour ce premier épisode de ce concept vidéo YouTube que je vais appeler Les Chroniques d'un Airsofter. Donc, je commence ce concept pour vous présenter ou vous faire découvrir ou vous faire partager l'une de mes passions qui est donc la pratique de l'airsoft. Donc, l'airsoft, pour ceux qui ne savent pas, c'est un loisir ou un sport qui consiste à s'affronter à plusieurs personnes contre d'autres avec des répliques d'armes en tout genre qui tirent des billes en plastique de 6 mm. Donc, exemple, le premier, celle-ci. Donc, arme de poing toute simple à cartouche de gaz. Ou un autre modèle possible, celle-ci, AK-47, donc pour la mienne, qui est électrique pour celle-là. Et donc, voilà, je vais essayer de faire le plus souvent possible. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. D'essayer de vous faire le plus souvent possible des vidéos pour vous présenter, vous montrer ce sport que j'apprécie parmi tant d'autres. Et donc là, on se retrouve, je vais vous montrer un petit peu le paysage. On se retrouve dans un petit coin paumé de mon Jura natal, mon cher Jura que j'adore. Et je vais tranquillement me diriger vers notre terrain que nous utilisons avec mes amis. Pour dans la suite de la vidéo vous le présenter. Ce sera la deuxième vidéo pour montrer le terrain sur lequel on joue. Et donc j'essaierai de poster des vidéos le plus souvent possible. Souvent, bon, j'essaierai de filmer des parties. On vous fera des reviews pour les différentes répliques, sachant qu'on a un peu de tout, on a de l'arme de poing, on a de l'arme d'assaut, on a du sniper, on a du pompe, donc on a déjà de quoi faire pas mal de reviews. Donc notre team, c'est les Skull Troopers. C'est une idée comme ça, comme une autre. Donc on a une page Facebook, si ça peut intéresser certains, vous tapez Skull Troopers sur Facebook, et puis vous devriez la trouver. On débute, on est une équipe de 4 ou 5 membres pour le moment, assez réguliers. Donc c'est vrai qu'on essaie de faire des parties assez régulièrement. Et puis voilà. Donc voilà, j'arrive aux alentours de notre terrain, donc je vais couper la vidéo ici, et je vous dis rendez-vous à la prochaine. Bye tout le monde!